Quand elle vendait du lait partout dans le monde, en fait. Parce que j'ai cru comprendre que. Ben, il y avait des pays acheteurs. C'est vrai pour le beurre, en tout cas, comme je vous dis. Il faudrait que je fasse une recherche. Là, c'est... Mais oui, je me souviens qu'au niveau de la poudre de lait, oui, c'était vendu à différents pays qui étaient en manque, évidemment, de production laitière. Je me souviens encore là de mémoire que Kadhafi était un acheteur. On en parlait à une époque comme étant un client de la Commission canadienne du lait. Donc, okay, même la Libye, du temps du dictateur Kadhafi, était acheteur de notre CCM. Oui. Et là, si on regarde ça, on pourrait dire que la Libye n'était certainement pas un producteur de lait. Donc, il y avait un besoin. Et nous, on vendait. On vendait des surplus pour établir probablement à l'intérieur une structure de marché qui permette à tout le monde d'en vivre. Là.